cherche à acheter quoi que ce soit, dis-le moi.
C'est un défi. Aucun échec. Il ne reste rien de toi.
Thank you.
femme de Lemnos. Même pétrifié, il se dégageait d'elle l'odeur du châtiment. Littéralement. Tu sais que c'est un complot quand même. Une bande de femmes de Lemnos a décidé de tuer tous les hommes et tous les mortels ont accusé Aphrodite, disant qu'elle les avait fait sentir aussi mauvais pour que leur mari refuse de les toucher. Ce qui a une certaine logique. Tu n'imagines pas ce qu'on apprend en passant l'été sur Lesbos. Maintenant que je peux livrer mes pommes, l'aide que j'apporte aux affamés devient une entreprise florissante.
Thank you.
Huh.
Yeah.
Espérant que la racine débloquerait l'accès à la crypte, Phoenix versa les larmes. Non! Non, Adonis, mon amour! Qu'est-ce qui me fait penser à toi? Qu'est-ce qui m'arrive? Oups! Je ferais mieux d'aller voir Aphrodite. Aphrodite aimait profondément Adonis. Et moi, je l'ai marié à Héphaïstos. Oui, Adonis était tout pour elle. J'ai laissé ce sanglier le tuer. Tu as quoi? Enfin, c'est pas moi qui l'ai tué, mais je n'ai pas non plus essayé de le sauver. Je n'ai pas écouté Aphrodite. Dis-le-moi.
Rome, tu te brûles les poches ?